Je suis de retour pour endemoliser le coupé décalé. Denis de production, y'a que les flocomanes qui ont peur. Sinon, tu manges. Ah, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance. Choqué pour plaire. Les gens n'aiment pas les gens, ils font semblant d'aimer les gens. Mais nous, on avance lentement et sûrement. Phare à Phare à Nouvelle Tendance, c'est une longueur d'avance, comme je l'ai toujours dit. Avec la grande équipe, justement, la Doré Futika, le capitaine de l'équipe, derrière la grosse caméra image 3D, sous l'Istal, le monteur à la double nationalité, Hugues Vogel de Cybèle, l'étoile de David, Christian Ingani, l'homme à battre. Dans cette émission, nous allons recevoir pour vous le triple sans A de foi, Monsieur Ibesson, le drapeau congolais, trésor Voula, en tout cas, qui a encore confirmé sa suprématie, il faut le dire, l'année 2014 avec cette distinction honorifique dans le genre musique. Évidemment, nous allons parler de la suite de son programme et surtout ce trophée sans A de foi. Nous aurons également une dame, Shana, qui revient de Paris. Avec elle, on va essayer de parler de son album, ses projets, qu'est-ce qu'elle est venue faire. Justement, au Congo, est-ce que le public le connaît? Dans cette émission, c'est une grande vitrine, mesdames et messieurs. Mais comme on a toujours dit, là où il y a une grande équipe, il y a des grands managers et il y a des grands sponsors. Le sponsor de cette émission, vous le savez, c'est Primus, Fongola Masolo. C'est cela, Toboulé, To Fongola Masolo, pour que tu avances. Alors que je suis en train de me détendre un soir, ce gars entre dans la pièce. Lorsqu'il commande une Primus, j'ai l'impression que je le connais déjà. Il m'explique, je suis livreur, mais les temps sont durs. Je sais de quoi tu parles, car je vends des brochettes. Puis Jean-Paul sort de nulle part. Il nous dit, je sais quoi faire. On regarde notre parcours, on réalise qu'un lien, une conversation aura suffi pour tout déclencher. Rien n'embrase les rapports comme Primus. Notre moment, notre bière. Ah, vous là, comment? Ça va, mon Dieu. Ça va? Des mots. Non, danger. Ouais, ça va. Moi, je l'aime bien, on dirait. Ouais, ça va. On la lit moi trop. Trop, trop même. Ça va? Bon, mais alors, donc, les lots ont parlé n'a trophée mon sous-sous. Bah, lobby triple, sans un de fois. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à prier en Musala. Donc, Musala nous était mieux. Donc, vous êtes transformé par les musées, quoi. Non, mais c'est Ezoya. Ezoya. En tout cas, nous allons parler, mesdames et messieurs, de 2014 avec Trésor Voula. D'ailleurs, qui est aussi nominé dans la catégorie Moko, dans l'événement Moko. Dans quelques jours, vous aurez tous là, dans cette émission, le temps pour nous de nous installer pour produire cette émission. Et vos jalabos ingali kambona yebiti na te ona lela. Yatsaba lubina bisa tonza wapi. C'est Rosen Yaourt dans YP Yayo Pourou. Les mélomanes, les mécènes, peuple congolais, bazo reconnaître Moussala ou Izosal. Ouais, mais déjà ceux qui, sans ans de fois, ils ont déjà au 12e édition. C'est que le concept ils ont tenu pendant 12 ans déjà, donc aux 12e édition. Donc, ce qui est leur moral crédible,
ils ont déjà crédible. Puis c'est fait par un grand monsieur de ce pays, un grand homme de la musique congolaise, monsieur Beethoven Yombo Germain Pelan, appelé CP Motes Kazali. Donc, ceux qui ont Beethoven, ils ont reconnu le talent d'Abisso. Donc, ils ont reconnu par tout le monde. Vous faites na lundi ou dédié na ba fan na yo ou dédié na manager ou dédié pratiquement na ba tout. Pour toi également, c'est une reconnaissance pour ce grand public. Ouais ouais ouais, parce que tout ça la musique d'abord pour les fans d'Abisso. Sans les mélomanes, sans les fans, tout ça, la musique, ils ont la sensité. Donc, sur nos blocs, on a dédié qui battent le boussa, on a dédié la dédié la fan, surtout, on a dédié la dédié. Alors, pour toi, est-ce que c'est bien aux Alara, Yomoko Kaga distingué, 2014 tout, par lobby catégorie musique, une seule personne. Est-ce que pour toi, c'est un honneur, Nabisso, pour toi, c'est une fierté, quoi? Non, mais ça, un gars, ça, un genre, bateau. On a les gens qui ont été en train de se faire. Donc aujourd'hui, si on parle de trésor, on parle de Roga Roga, musique à Congo ici, et Suki Kakawana. Donc, il y a deux personnes qui ont retenu la musique à Congo. Tu es déjà trophée. Pour toi, ça représente quoi? Non, mais l'accès est toujours Samoussala. L'accès est toujours Samoussala. L'accès est toujours Samoussala. Il y a un titre qui a dit trophée. Dans ce titre qui a dit Mobimba. Donc, nous avons fait ça vraiment au sérieux, nous avons fait un boulot au sérieux. Donc, nous avons fait un maxi single Zamakasi. Il y a un titre, moi, quand j'ai dit Nino. Donc, il y a deux titres. Quand la mine était le 6 mars, tu as largué déjà le deuxième titre sur une trace. Bah, au moins, en gros, et puis, donc, je crois, le 15 ou le 30 mars, trois titres comme sur support. Quoi. L'homme, il est toujours entre deux avions. Récemment, à Abidjan, na l'étoile d'Afrique. J'espère que. L'étoile d'Afrique. Oui, c'était la cadre. Le cadre émission, émission moro professionnalisée. C'est-à-dire émission va foutre billet, va foutre tel donc défaite quoi, va foutre peine à cacher. Donc voilà quoi. Donc ils ont qui émission on peut pas nous le cas déjà. Il a déjà mais quoi, il a dit bah buzz. Non malgré comment la zone qui t'as content l'angoté, mais partout je passe, bah tout oiseau baguette, on en a qui en Afrique étoile. Donc voilà quoi. Donc ils ont la saga qui m'a salé, ils ont salé bien. La saga qui m'a salé au Congo. Émission, il y a la Côte d'Ivoire, ben, il y a un foot, il y a un billet, avion, hôtel, il n'y a pas d'émission. Donc voilà, on a invité. Tu as dit Roga Roga, qu'on a invité la Côte d'Ivoire par Guillaume Soro. Maintenant, ta émission peut profiter de la présence de la Côte d'Ivoire. Donc là, Romain Gardon, on vient de Romain Gardon, tu as dit. Donc, je suis sous la quitte. Bon, ça l'effort. Voilà, c'est également la grande question. Phrase wana, ça veut dire quoi, Bokoma wapi? Non, phrase wana, il y a un homme qui a été mis en colo. Il faut qu'on tourne, on va combien wapi. Alors, mesdames et messieurs. Alors, je veux quand même qu'on puisse suivre en image la remise du trophée, sans A, deux fois, à Trésor Ibesson, le Grand Voula. Cette émission Farah Farah, Nouvelle Tendance, se produit ici à Michael. Question pour moi également de saluer en passant. Mickey Michou, l'araignée noire, Jodel Ekoudi, le maximum salut à toi. Et pourquoi pas également Sister Obaya à Pointe-Noire. On suit et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission. Va recevoir la Sonza deux fois 2014 dans la catégorie musique. Voula Trésor. Le trophée. Le diplôme.
le kit azur. Est-ce que ça va? Merci d'être là ce soir. Avant de faire un petit a cappella, je vais dédier ce trophée à tous mes fans, à tout le peuple congolais, à mon grand frère qui est ici présent, mon aîné Roga Roga, le suprême, et à mon manager Christian Ngani, et à ma femme Grassota. Obima, 10 000 fois champion, Yamatolo, Okokisi, c'est conteneur à Bamfula, Koliana Yoga, Tomo, pourquoi l'os, on a l'os, Oleki, Koutouba, Chinois, merci. Retour, mesdames et messieurs, dans cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance, Trésor Ibesson, le grand voula, le drapeau congolais. Quoi tu as préféré que réaliser ma clip Nayo na à Abidjan, à l'extérieur, alors qu'on sait que le premier album, tu as fait confiance à un réalisateur congolais. Mais tu regardes que ça la même chose, il faut innover, il faut changer ma couleur, en fait, il y a un esprit. Donc, on a profité que Tony Rodriguez, un réalisateur, moi, dans la convié depuis Kala, tant que le clip est sur trace, il faut que je sois un moteur, Donc, dans le bar en gros, il faut tourner le clip à Tony Rodriguez. Parce que un grand réalisateur. Et puis voilà quoi. Donc, d'être comme un peu à Abidjan, tu profites de quoi tu commandes à Abidjan. Et déjà, moi, je suis habillé, je suis hôtel. Isaac dit na charge à battre monsieur Soufa pour profiter na opportunité ou non fallait te tourner clip ou non et puis voilà et ça le peut battre d'abord mon appel clip on va comprendre que oui c'est quelque part je pensais bon parce que l'internet moi polémique et bimaki entre les réalisateurs ils se sont dit que bon peut-être bon, vous avez sous-estimé Zanabino ou non qu'on sous-estimait En tout cas, mesdames et messieurs, alors Trésor, parlons un peu de la vie à orchestre, parce que bon, moi, Banungo, musicien, Ibele, Bazo Kenosa, teste à gauche, à droite, comme on a le leader lui-même, est-ce que c'est vrai ce que les gens racontent? Bon, ils ont la bonne moi. Et ça, c'est pas du nouveau, hein. C'est pas du nouveau. Non, tant qu'on est dans le monde musical, c'est pas du nouveau. Mais c'est pas l'angola, pas zongaka, pas kende, pas ke, pas fingi, pas lobby, mon raison est sous ton faza. Et ça, on a une nouveauté. Voilà que tout chapitre à bako longo, ko kende, on a photo changa. Et comme vous allez verrouiller dans la musique, quoi. Et comme il est normal, ça, mais on a longo à zongi, on est normal. Voilà, ce gars là, bah petit, bah se sentir à l'aise, bah kende. Tout le monde est libre. S'ils veulent partir, c'est pourquoi? Je sais pas, je sais. Que c'est le patron, le boss ne les gère pas bien ou comment? Moi je crois dans le bango, naza parmi leader Oyo. Parce que dans la orchestre, je sais comment ça fonctionne. Naki gère la patrouille de stars, je sais comment ça fonctionne. Dans le bango, naza salaire naza souk à la concert la patrouille de stars, naza 30 000 enveloppe au fond avec 15 000, 10 000 francs CFA. Comprendre? Minga a, ma petite, tu as un concert, tu as un moto, il est qui wana. Minga a voulu dans le monde. Mais pourquoi je le fais? Parce que dans le but que la musique s'est changée. Mais j'espère que Kana wana est aussi au Tiki Amo déjà. Donc ce qui est mon ami et mon ami. Ce qui est mon ami, c'est au Kimba. Mais dès que mon ami, moto tout a se retrouver. Bon, au soir, au moment que mon ami se retrouver, il est libre. Ok, c'est belle. Dans le balabang, ok, c'est belle. Bon, on a tenté l'expérience pour que nous continuions à faire la musique, pour que nous continuions à partir de ça, pour que nous continuions à vivre. Donc voilà quoi. Mais bon, Bazananga, parce que Nga, il y a un concept sur la Betaka. Je vais commencer à faire tout la même question que le manager. Je vais proposer tant.
monte par proposer so pas nga mona boya mais na mona te nga ka nga mona te na ba petit ba picture pe ba chance faut ka randi ma pona bango et puis là ba randi ba parfois na toucher mbonga ka nyote na jambonga na pesa na jango mystère ka bolo na ba musicien mais aucun leader na Congo ko sala. Je répète, aucun leader à cause de petit conseil, il y a Yembi, na podium, na musicien, dans l'affaire d'une banque, on a pensé à Motago Salangate. Mais moi, je le fais. Nous savons que. Yo Yembi. Toyebi. Toyebi, parce que. Toyebi, Oizo, il est dans le mouvement. Mais ce que les gens racontent, de fois, Bazana a raison, Bazana vraiment vérité, et à Koulougana Bato. Mais en tout temps, Trésor, parlons des vraies choses, des bonnes choses, c'est que. Il était question au banda tournée nationale. On avait déjà annoncé quelques dates. Il y a eu report ou c'est annulé? Ouais, toi là, moi, pour moi, problème, parce que tu veux un hasard, un sponsor. Tu es toujours bon sang, ma camoufle, tu es toujours vraiment en ordre. Pas la tournée, on a tourné, on a commencé tout le monde en désordre, tu quoi. Donc voilà, on a dit, moi, à contre-temps, parce que tu es vraiment en ordre, tu es là, tu es belé. Mais nani. Je me suis dit que je suis papier, je suis carré, après je suis dit que donc dès que tout le sponsor est en ordre, parce que ça va tourner, il faut être sponsorisé. Quoi. Si tu n'as pas le sponsor, il s'y bat. Voilà. Trésor, au niveau de Brazzaville, moi, je dis que je suis bien, est-ce que moi, Lito, je suis au Congo quand même? Oui, oui, oui. Oui. D'ailleurs, ils disent qu'ils viennent en Arouga, contentieux, chapeau, on appelle ces beautés, ces félicitations, parce que d'abord, il y a un message qui est là. Donc, il y a un contentieux, ça va. Il y a un oxygène qui est là. Il y a un bimi. Il y a un apprendre qui est bimi. Il faut que nous soyons là. Il y a un bon composteur qui compose la guitare. Il y a un bon composteur qui est bien. Donc, voilà quoi. Donc, il y a un bon composteur qui est là. Il y a un travail qui est là. Il y a un bon composteur qui est là. Il y a un bon composteur qui est là. Force quoi. Donc, bon, bah, là, la moi, je vais essayer un peu. Tu as vu que la musique n'a pas été si tu as un soutien à Longate. Malgré drapeau congolais, mais aux Bundakaka. Bundakaka. Drapeau congolais, là, voilà, on rappelle que les gens sont morts, voilà le bango. Tant que les Alakiawa, tout le monde est tout congolais. Hein? Tant que tout le monde est congolais, on a un drapeau, mais on a dit que c'est un drapeau. Ce n'est pas qui passe la partie, c'est la banane qui dirige. D'avocat, depuis octobre, on a la banane qui dirige un drapeau. Drapeau à Congo. Tout le monde va comprendre que c'est un boka. Après Cannes, tu vas le drapeau. Mais il y a un drapeau à Congo. Donc voilà quoi. C'est pour vous dire que je suis le vrai Congolais. Donc la vraie Congolais, photo Lingambo qu'on a bissé, voilà quoi. Donc ma mission, photo travail, ma casse, photo travail, tous à la bissé belé, tout ce qu'on a tout qui paraît cité, tout Bundakaka, tout Bundakaka. Yayo Pourou, YP, hein? On va suivre, mesdames et messieurs, ce clip oh, qui a fait le buzz pour l'année 2014. C'est la partie là, voilà. Trésor Vula Ibeson, le vieux lumière Patupaka. À côté de lui, on a la lumière. Hein? Et pourquoi pas également la main puissante de Hala, Denis Abdallah, au maximum. C'est la partie là. Trésor Vula Ibeson, le drapeau congolais. La puissance ne consiste pas à frapper fort, mais à frapper juste. Trésor Vula, thème 9, niveau c'est casa frère, il est là. En contrôlant la situation. Hello, 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 Africa, eh, abonzia, oh, ah, hello, 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 Africa, abonzia, ajoko bina bina boloke, 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 ba mama boloke, boyaka to bina bina boloke, boloke, Kinshasa, Brazza, Congo, Mote, pas de soucis, Guillaume Soro, honorable, Christian Lainé, Olympio LC2. Quand le groupe est dire TV, c'est la différence. Emmanuel. Son excellence Ahmed Bakayoko. Excellence de Kario Bakale à Malabo. Jean-Dominique Okema Moranzambe. Jacob, venez, on va danser.
Montréal, Morel Okili, Théodore Nguema Obiang, Serge Fato Élégant. Hello, hello Africa, abonzi yao. Ah, hello, hello, hello Africa, eh, abonzi ya. Atuko bina bina boloke, 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 ba mama boloke. Oya kato bina bina boloke, boloke. Kinshasa Brazza Congo Mbote. Ali Ben Bongo, Patience Kabani la mama. Fabrice Ngenya, Cyril Bojiko, Balafon FM. Oh, Nara Kongende Marabo, Wana Mona Obiang, Nara Kongende Douala, Wana Mona Samuel Eto, Afrika Lenge, Maman Chantal Bia, JC Bekolo, Afrika Thomas Sankara, JJ Tech One, DJ Dodo Wechi. C'est la partie là.
Bilo kwanzo telemi yo, etelemi, etelemi, kami kama sembe, etelemi, etelemi. C'est la partie là, c'était donc le clip que je vous ai proposé. Question pour moi également de saluer en passant tous les téléspectateurs du monde entier, voilà, qui nous regardent à travers DRTV International. Trésor en vous là, Tokomo Souksa, entretien et abisso na yo nangai. Voilà, il faut topé slangon dengwana. Au lobby aux aïe, au tikali yomogo, parce que 2014, Tomonique, tu as été le seul à être primé. Donc 2015, il y a malgré le disque, il y a eu un bon, tout ça, c'est un peu ça. Tout ça, ce résultat Le titre était quand même sur. Non, moi, single et Bimaki. Et Bimaki est belé. Bimaki vraiment belé. Hein? Non, ce pays a l'album, mais Bimaki est belé. Voilà, mais. Donc, je suis toujours ça, professionnellement. Je suis toujours ça, public. Je ne sais pas, ils ont petit, parce qu'ils ont petit à Beethoven, petit. Non. La fois passée, on a double fois. Double fois, sans ça, deux fois, non. L'air, comment, je suis aux États-Unis, je n'ai rien à quitter. Vraiment petit à Beethoven. Ma sola c'est nakinagité. Ngana wé sa ma moté na tsika na nga ma comme ça la naturel. Peut-être profil y a nuit du Congo rapport na yo peut-être ils ont s'adapté. Non, ça sangola ba kina ba réclamer nga. Na yo ka ki sango. Ba to ko ba kina ba pepe sa ki sango. Na na sal bui ba réclamer tes hommes vous là. Parce que à l'extérieur actuellement tout le bateau tout marché ba minute c'est moi. Ah, photo le bas, vérité. Donc, Menga n'a pas de la nature, la force. Quand tu as le trophée, la force, c'est ça. C'est naturel. Non, c'est de travail. C'est naturel. Canal d'or, na Cameroun, la catégorie espoir d'Afrique. Espoir d'Afrique, ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que tu es sûr que qu'on mérite? C'est bon déjà, c'est tombé les logos déjà. Ça dit qu'on sonne, on a pas comme on a bâti, on a déjà c'est tombé les logos quoi. Ça c'est très bien. En tout cas, Christian Ingani, l'homme à battre est là. Bateau a mis l'album T. Tous les gens qui ont publicité, tout respect à la public, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se l'équipe, on a fait ses formations, on a du trophée dans l'équipe, on a la Savatoire, on a du trophée. Donc, si on a l'équipe, ou bien l'équipe, on a représenté le clip, on a le gars chez eux, on a représenté, c'est la partie, là, c'est la partie, c'est l'équipe. Donc, c'est comme ça. Tout le monde a publicité, tout le monde a fait la publicité. Donc, on a le lobby, Maxi Singel, on a bientôt aussi deux clips pour Tigalaki. Donc, trois titres coquilles. Donc, c'est quelqu'un qui a producteur, manager, Christian, il a TGV, il a bon, mars, il a date, il a ce qui bien ou bien. Parfois, contre toi, il cause en avril. Donc, quand il est mort comme ça, il a caca. Mais il a mais deux titres, je crois, le 6 mars, il a largué déjà deuxième titre. Le 6 mars. Le 6 mars. On a un big manager, à moins qu'il a changé, il a flashé un bon. Les 6 mars, on a changé deuxième titre déjà sur Neytrat, mais ça n'a rien. Donc, deux titres, tu sais, on a. On a évité. On a évité niveau 0 à vrai à Kuba. Niveau affusé.
Voilà, c'était donc cet entretien avec Trésor Voula Ibesson. Mesdames et messieurs, en tout cas, il n'y a pas de commentaire à faire. Les images parlent d'elles-mêmes. Les faits sont sacrés. Le commentaire est libre, comme qui dirait l'autre. Donc aujourd'hui, c'est l'unique, le seul qui s'est démarqué en 2014. La preuve, c'est l'unique également le festival qui a primé les artistes l'année 2014. Trésor Ibesson, félicitations. Merci beaucoup. Le second manager. C'est la partie là. C'est la meilleure partie. Voilà. Dernier message à l'endroit de tes téléspectateurs, tes fans. Non, après ça, merci à ma fan. Beaucoup de confiance. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Et puis, nous avons un peu de temps. Donc, voilà. Deux titres passés dans la vie, Batibele Bazolo, Kabazo Benganga, mais c'est la partie de Rosango, puis Kalamite, Nabasport, beaucoup sont bango, mais il y a aussi la Bilobo Zala calme. Donc voilà quoi. Tout ça, clip pas bien, clip le roi la volonté hydraulique, on a évité quoi. Ça dit niveau clip, on a évité. Call me, quand on le batte, ça dit on a évité ça quoi. Et ça, ma kelele, ma kasi, call me. Donc ça dit des fois, et un diamant de DJ, la manager, on a Christian Gani. Ça dit sur mon clip, ça dit petitement, Babino, on a des fois, ça dit on a marqué par HR Banin. Donc deux fois, tu as un niveau pesant dans lequel on a une musique. Donc voilà quoi. Artiste Nabino, nous avons continué à travailler. Nous avons appelé ça Christian Mokito. Christian Mokito Lindalala. Nous avons appelé ça Nerval Boumandoki, le boss. Papa Nalegra, Elvira, Nerval Boumandoki. Ça dit on a boss dans la Mikolo. Je confirme avec force Nerval Boumandoki. Et puis, Master Nanga, Teddy le Boa Webmaster. Voilà, on a suivi quand on a pris 3 bateaux, on a monté. Parce que le reste, on a senti les binotés d'hommes, on a pris ça, on a monté à tête. Et puis, on a pris ça, on a Ginzinga. Voilà, et puis le big manager Christian Ngani, Mathias Sauteur et Bibio Congo, grâce au temps à peindre la lettre G, Maman Denise Owasa, le bateau de Moïse, l'adoré Fouchika, le capitaine de l'équipe, Okomawa, puis dans un monde, on a sauté dans WhatsApp, dans Facebook, Okomawa. Donc voilà quoi. Mako Sophie. Bienvenue, Mako Sophie. Mesdames et messieurs, suite avec Shana qui revient de Paris, nous allons la recevoir dans cette émission Phare à Phare Nouvelle Tendance, toujours une longueur d'avance. Le trophée. Ayo leli mama evoje la boyinga likambo na yebiti na teu na lela ya tsaba lobi na biso tonza wapi c'est rosen yaou dans YP ya yo pour aujourd'hui nous allons recevoir une congolaise de la diaspora. Voilà, elle s'appelle Shana qui arrive. Shana, venez, je vais vous recevoir. Bonsoir. Ça va? Oui, très bien, merci. Bonne arrivée. Merci, c'est prenez gentil. Prenez place. On va s'asseoir. Bon, Shana, vous êtes arrivée à Brazzaville. Ça fait combien de jours? Alors, ça fait 2 jours que je suis arrivée à Brazzaville. Et comment vous avez trouvé la ville? Ça va? Oui, je suis habituée. Je viens quand même tous les ans. C'est un peu changé, mais parfait. Qu'est-ce qui a changé? La ville. Alors, Shana, on va parler exclusivement de ton album. Parce que je t'ai suivi avec Chepil Français au niveau de Paris, une émission là où tu présentais justement quelques séquences de ton album. C'est sorti au niveau de Paris ou pas? Au niveau de Paris, c'est pas encore sorti. Je fais beaucoup de concerts, beaucoup de showcases, mais l'album en lui-même n'est pas encore sorti. Et le titre de l'album, c'est quoi? Révélation. Pourquoi Révélation? Parce que je suis la Révélation 2015. Toi, tu es la Révélation autoproclamée ou déjà? Autoproclamée. Alors, dans Révélation, il y a combien de titres, combien de genres les styles? Alors, il y a 8 titres, plus le générique. Donc, il y a tous les styles. Il y a de la rumba, il y a du coupé-décalé, il y a un morceau que j'ai fait avec un rappeur. Il y a à peu près tous les styles. Il y a de la zonto, c'est vraiment très diversifié. C'est vraiment un album qui est très, très, très coloré. Est-ce que dans le passé, vous avez quand même chanté? Oui, j'ai commencé à l'âge de 7 ans dans les chorales. Voilà. Et ici à Brazzaville ou en France? En France. Et professionnellement, on va dire que je commence vraiment depuis l'année dernière. Voilà. Depuis l'année dernière? Tu as parlé des chorales, mais on ne va pas dire que cet album, c'est un album chrétien ou religieux? Non, du tout, pas du tout. Il y a un contraste là. Donc dire que
vous avez abandonné un peu la chorale pour retrouver le monde, c'est ça? Ça, tout à fait. Et pourquoi? On veut dire qu'à 7 ans, j'étais quand même un peu forcée par les parents, donc voilà, maintenant j'ai choisi une autre voie. Ah, d'accord, là c'est ton cœur qui parle en fait. Exactement. Alors aujourd'hui, donc l'album Révélation, 8 titres. Vous avez dit il y a le Nombolo, il y a du coupé décalé, et puis un peu du R&B hip-hop. C'est un mélange de styles comme ça, et ce sont vos propres chansons ou il y a des paroliers quand même qui vous ont aidé? Alors j'ai fait un featuring avec Killabongo. Oui, moi je suis auteur-compositeur, donc je fais les paroles, ce sont mes propres chansons. Mais j'ai fait deux featuring avec un rappeur et puis Killabongo, comme je viens de le dire. Voilà. Vous avez dit que vous êtes congolaise? Nous sommes les Noirs. Bah oui, mais moi j'ai une mère italienne et j'ai un père qui est Larry, d'où le nom Malonga. Ah, d'accord, c'est très bien. Alors donc, Shana, vous êtes à Brazzaville, c'est dans le cadre de la promotion de cet album ou juste visite de courtoisie? Non, pas visite de courtoisie. Oui, c'est vraiment pour venir faire connaître l'album. Voilà, donc j'ai voulu commencer par le Congo, puisque c'est mon pays. J'aurais pu aller à Abidjan, tout ça, où on m'attend. Mais j'ai vraiment voulu commencer par le Congo, donc pour faire connaître l'album. Voilà. Et vous avez chanté en français? J'ai chanté en français, j'ai chanté en Lingala, j'ai chanté en Mbossi, j'ai chanté en Lari. Comment ça? Vous parlez Mbossi, vous parlez Lingala? On m'a traduit. On m'a traduit le Mbossi en tout cas. En Lingala, vous avez chanté quoi? Alors j'ai chanté de la rumba et puis j'ai chanté folklore aussi, du folklore. Est-ce qu'on peut fredonner quelques textes hein, en Lingala? En a cappella? Ouais. Pas de problème. Alors, je vais vous redonner la chanson qui s'appelle Mariage. Donc, c'est sur le mariage. Donc, j'y vais. Naye bondele ya mokili zambe asala adamo namo panzi naye aye ko sala Eva. Toute autorité vient de Dieu. C'est votre propre composition? Tout à fait. Une inspiration ou justement un vécu? Une inspiration parce que, en fait, je prends mes inspirations de... comme je l'ai dit, j'ai déjà dit dans une précédente émission, en fait, j'ai été bercée depuis toute petite par mon père dans ce qui est tabou, dans les bantous de la capitale et tout ça. Donc, vraiment une inspiration qui me fait revenir aux sources, en fait. Voilà. Alors, pourquoi vous avez choisi ce moment de faire la musique? Est-ce que pensez-vous que la musique peut vous sourire, peut faire de vous une grande vedette ici, surtout à Brazzaville? J'espère, oui, et j'espère. Je pense que qui dit chanteur dit quand même avoir une assez belle voix, donc sans me vanter, je pense avoir le charisme, une belle voix et avoir tout pour réussir. Parce que nous savons qu'au niveau de Brazza, la musique féminine est pratiquement en perte de vitesse. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'artistes dans le genre féminin qui se démarquent comme nous le voyons ailleurs. Est-ce que pensez-vous relever ce défi? Bien sûr, et tant mieux qu'il n'y en ait pas beaucoup d'ailleurs. Tant mieux qu'il n'y en ait pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'au Congo, maintenant, on voit les chanteuses, c'est plutôt en fait... quand on écoute, c'est plutôt dans le type religieux. Et donc moi, je suis sur le marché, donc il y a un marché à prendre parce qu'effectivement, je suis une des seules qui est dans ce créneau. Donc tant mieux. Alors, quels sont les thèmes que vous exploitez dans vos chansons? Alors, comme je l'ai dit, donc il y a le mariage, il y a la réunification des ethnies, la paix dans le monde. Voilà, tout ce qui me tient à cœur en fait. Alors, aujourd'hui, nous savons que la musique rime avec... l'argent, donc il faut des grands producteurs derrière, une grande maison de production. Est-ce que vous avez un producteur derrière vous? Je n'en ai pas encore, mais c'est pour ça que je suis venue justement à Brazza pour en rencontrer, parce qu'on en a quand même quelques-uns. Donc... Alors que les artistes du Congo veulent aller là-bas pour les rencontrer là-bas? Oui, mais moi je viens ici, je fais le contraire. C'est pour se trouver un producteur ici. Et pourquoi pas, c'est pour ça que je suis là. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour que tu le trouves? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est là? Il y a un spectacle? Il y a une production à Brazzaville? Ou justement, c'est au niveau des médias seulement que ça se... Déjà, au niveau des médias, déjà, merci. Merci de m'avoir invité dans son émission. Il y a un...
Oui, effectivement, il y a... Enfin, je ne vais pas tout dévoiler, mais j'ai quelques rendez-vous et donc j'espère que ça va aboutir très rapidement. Des rendez-vous de production, des showcases, ici à Brazzaville, à Pointe-Noire. Ici, qui seront confirmés dans la semaine, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop m'avancer pour l'instant. Ah, voilà. Ok, c'est très bien, mesdames et messieurs. Mais, je ne sais pas si on peut retrouver quelques images de Shana, pardon, avec Chepil Français. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour clôturer, en beauté, cette émission. Yo les nini, yo les nini. Pardon monsieur, pardon monsieur. Allez quoi ça, 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 quoi ça. Reculez, 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 reculez. Avancez, 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 avancez. Sautez, 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 sautez. Allez Jason Guiffret, ici c'est African Party. Alors pour commencer, bonne année à tous mes compatriotes congolais. Heureuse de vous retrouver aussi chez Puy. Donc, j'ai réalisé beaucoup de choses, j'ai beaucoup progressé, j'ai fait beaucoup de showcases, j'ai fait beaucoup de concerts et encore à venir. Et puis, on est toujours dans la progression. Alors, je suis venue pour Absity pour annoncer ma venue sur Brazzaville, donc le 15 février, donc j'arrive. Pour promouvoir mon album, déjà pour commencer, pour prendre un peu de soleil, parce que c'est vrai qu'ici à Paris il fait froid. Pour remercier tous les gens qui m'ont soutenu. Donc j'arrive le 15 février à l'aéroport de Maya Maya et donc voilà, je viens pour promouvoir mon album. Ok, alors pour ceux qui veulent me contacter avant mon arrivée pour d'éventuelles émissions à faire sur place, donc je vous donne ma page Facebook, c'est Shana Officielle avec deux F et deux L. Donc voilà, je suis ouverte à toutes les propositions, je suis là pour deux semaines. Donc sponsors, ceux qui veulent des dédicaces, ceux qui veulent me remercier, ceux qui veulent m'encourager, voilà, vous avez ma page officielle, donc contactez-moi, je réponds à tous mes messages. Alors, mon album contient 7 titres plus le générique, donc ça fait 8. Donc, j'ai abordé, vraiment, c'est un album qui est vraiment, on va dire, pour tout le monde. Donc, il y a du coupé-décollé, il y a du coupé-décalé, il y a de la rumba, il y a du folklore, c'est vraiment diversifié. Donc, il y a beaucoup de thèmes. J'ai fait aussi, je fais aussi pour la paix en Afrique, pour le mariage, c'est vraiment très diversifié. D'ailleurs, vous aurez tout à l'heure l'occasion d'en voir quelques petits extraits, pas trop, parce que je veux quand même donner l'envie aux personnes de découvrir mon album, mais c'est vraiment très diversifié. Alors voilà, donc l'album contient 7 titres, donc je reviendrai à Paris pour finaliser le générique. Donc les 7 titres, je vais les détailler un petit peu. Donc vous avez le premier titre, c'est le mariage. Sala Eva, toute autorité vient de Dieu. Na ebandeli ya mokili, zambe asala Adamu, na mopanzi na ye, aye ko sala Eva, toute autorité vient de Dieu. La Bible nous dit en Genèse 2:24. L'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc ça traite des mariages, je donne un peu de conseils. Il y a le deuxième titre qui est folklore. Memoni mwana chana malonga, ijiri kura tanga titatina ya. J'ai voulu faire honneur, en fait, revenir aux sources traditionnelles. Il y a un troisième titre qui s'appelle Rivage, donc qui est pour tous les amoureux, donc je donne des conseils aux amoureux. Vous avez aussi un morceau que j'ai fait en featuring avec un rappeur qui s'appelle Jason Kipré. Donc...
na braza eh, une chasse eh, choco choco eh, la Libreville eh, na Cotonou eh. Allez quoi ça quoi ça, quoi ça quoi ça, yo les nini, yo les nini. Pardon monsieur, pardon monsieur. Allez quoi ça quoi ça, quoi ça quoi ça, quoi ça quoi ça, quoi ça quoi ça. Reculez, reculez. Allez Jason Kipré, ici c'est African Party, montre-moi ça. Fallait s'y attendre, depuis le temps qu'on parlait de l'autre. T'as fait un zoom, y'a du bon, même pas faut des sous. Maintenant découvrir les couches qui ont des couches. Avec ma mère, pour beaucoup d'entre nous, comme dans Coucoune. Y'a plus de choukoun, rien à foutre, j'ai rien à prouver. Interviewé, sans lieu d'en te prouver. La prod, contre plaisir, riche, je me retrouve pas. Il va falloir, c'est bien parce que mes gars s'y retrouvent plus du tout. Contre sans élange, soit sur le congé. Y'en a qui vont m'enfler, c'est soufflé, là je suis dangereux. Reste un range, lance mes phalanges, lance le couloir de la mort, sans espérance, tout boué. Si doué, je vais me faire talent, ciblé par les grosses maisons de prod. La rancœur brodée, sur mon cœur brodée. La rancœur, je dois rien à personne, ça y est, je suis. Ce que j'ai aimé, ce sont des artistes. Qui sont morts justement parce que ça m'a inspiré pour mon album. D'ailleurs j'ai fait un remake de Pamelo que vous entendrez dans un de mes morceaux. Bon sinon j'aime beaucoup Beyoncé. All I need in this life is sin. It's me, you're my girlfriend. Me, you're my girlfriend. Tell me to ride to the very end. It's me, you're my boyfriend. All I need in this life is sin. It's me, you're my girlfriend. Me, you're my girlfriend. Tell me to ride to the very end. Et côté musique africaine, j'ai écouté Fally Ipupa, Cindy. Mais franchement, là, je me suis vraiment concentrée en fait pour avoir vraiment avoir vraiment des inspirations en fait de rumba, donc vraiment sur Pamelo, sur voilà, vraiment tout ce qui. Alors effectivement, je viens pour ça. C'est vrai que j'aurais pu aller dans d'autres pays pour proposer mon album, mais bon, vu que je suis du Congo, je me suis dit bon, on a des producteurs au Congo, donc pourquoi pas commencer par mon propre pays. Donc je viens voir certains producteurs. Donc j'espère qu'ils aimeront mon album, qui apprécieront mon album, qui achèteront mon album, et ben ça sera à eux de le mettre en distribution. Donc je pense que de toutes les manières, d'ici quelques mois, l'album ce sera sur le marché. Na Paris, Abidjan, na Bruxelles, choco choco, États-Unis, na Braza, Kinshasa, choco choco, la Libreville, na Cotonou. Donc j'en ai un peu marre du coupé décalé, un peu marre de tout ça. Donc franchement, je voudrais qu'on me reconnaisse comme une fierté nationale du Congo. Voilà pourquoi j'ai fait cet album. Donc comme je vous l'ai dit, j'arrive le 15 février pour 2 semaines. Donc tous ceux qui veulent me contacter pour les showcases privées, les émissions de télé, les sponsors, les showcases en boîte, contactez-moi sur ma page Facebook, Shana Officielle avec 2 F et 2 L. Et j'arrive, attendez-moi, je vais faire le boucan et on va tous faire le boucan à Braza. Ça c'est une promesse de Shana Malonga. Allez, quoi ça, quoi ça? Quoi ça, quoi ça? Yo les nini! Yo les nini! Pardon monsieur! Pardon monsieur! Allez, quoi ça, quoi ça? Quoi ça, quoi ça? Quoi ça, quoi ça? Quoi ça, quoi ça? Reculez! 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 Avancez, sautez. Mot de la fin, je salue toujours honorablement le général Dabira, tous les personnels de la DRTV, un grand big up à mon cousin David Malonga qui se reconnaîtra, et puis pour tous ceux qui m'attendent, j'arrive, attendez-moi, je vous attends à l'aéroport, pourquoi pas avec des banderoles. Un grand merci à toi Chepi pour ton émission Rap City qui fait rêver, que tout le monde aime, qui est beaucoup regardé, qui m'a fait connaître aussi. Donc je te fais un gros bisou, je fais un gros bisou à tout le monde et j'arrive. Shana Malonga, kiss. Voilà, mesdames et messieurs, retour après donc quelques séquences de ces images que je vous ai réservées dans cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance. Avant donc de dire au revoir à notre invité qui revient droit de Paris. Alors présente-moi à Brazzaville un contact
par lequel tous les téléspectateurs, du moins les producteurs éventuels qui nous regardent, pourront t'appeler justement pour avoir des contacts. Oui, oui, j'en ai un, je l'ai pris tout à l'heure, exprès pour ça. Donc c'est le 06 48 48 246. 06 48 48 246. Ça c'est ton numéro ça, de brasa. C'est mon numéro personnel. Justement pour les contacts de production. Exactement. Pas autre chose. Pas... certainement pour tous ceux qui vous ont aidé. Voilà. Ok, donc je remercie tous les gens qui m'ont soutenu, de près ou de loin, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Vous pouvez me contacter aussi sur mon Facebook, sur ma page officielle. Donc c'est Shana Officielle avec deux F et deux L. Et je dis au revoir à tout le monde, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci mesdames et messieurs, je ne peux pas vous laisser comme ça. Je vous laisse avec le clip de Pacelli Prestige depuis Dolizy, s'il vous plaît. C'est la recherche dans cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance. Nerval Bomanduki, on tasse le boss toujours au maximum depuis l'hôtel Michaels. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc un plaisir de vous avoir donné cette émission en bonne et due forme, Phare à Phare à Nouvelle Tendance. Shana, hein, tu okay, te lèves avec ta belle taille. Alors c'est pourtant vous dire que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, c'était Vic. Suivez ce clip que je vous laisse et on se retrouve prochainement. Mais n'oubliez pas de prendre un verre glacé de Primus quand vous avez besoin. Ok? Merci. Ok, Phare à Phare avec Igbo. Suivez cette émission, rien à dire. Shana Malonga. Alors que je suis en train de me détendre un soir, ce gars entre dans la pièce. Lorsqu'il commande une Primus, j'ai l'impression que je le connais déjà. Il m'explique, je suis livreur, mais les temps sont durs. Je sais de quoi tu parles, car je vends des brochettes. Puis Jean-Paul sort de nulle part. Il nous dit, je sais quoi faire. Quand on regarde notre parcours, on réalise qu'un lien, une conversation aura suffi pour tout déclencher. Rien n'embrase les rapports comme Primus. Notre moment, notre bière. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Kiki Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Dernier des productions, y'a que les flocomans qui ont peur.